l'indépendance des juges et des avocats. Nous avons adressé une lettre à la représentante du Bureau intégré des Nations Unies. Nous avons adressé une lettre à l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti. Nous avons adressé une lettre à l'ambassadeur de France en Haïti. Une lettre à la haute commissaire des droits de l'homme des Nations Unies. Et nous avons fait la saisine du rapporteur sur les exécutions extrajudiciaires. L'ordre des avocats de Port-au-Prince a pour les deux mois de départ forcé de notre bâtonnier, mon fils Dorval, va vous dire ces mots de circonstance. Nous passons la parole à Maître Patrick Pierre. Deux mois maintenant depuis que des individus sans foi ni loi, parlez plus fort, violant le droit fondamental à la vie et à la libre expression, ont plongé dans le deuil la corporation, les avocats, la communauté universitaire, la société entière, dans le deuil avec l'assassinat de Maître Montferrier Dorval. Malgré la mobilisation des avocats dans toutes les juridictions et la demande collective pour que justice soit rendue au bâtonnier Montferrier Dorval, les pesanteurs judiciaires affectent une instruction qui se veut laborieuse. Déjà, le premier scandale survenu avec la récente disparition des pièces au rapport d'enquête semble augurer de futurs obstacles destinés à faire barrière au cours normal de la procédure. Cet incident grotesque, accueilli par l'indifférence douteuse des pouvoirs publics, exprime-t-il un projet de mise à mort de la justice ? Que cache cette absence du sentiment de responsabilité des autorités qui frisent le cynisme ? Que dissimule ce silence qui avoisine la complicité ? Compterait-on sur la lassitude du Conseil et de l'ensemble des avocats du barreau de Port-au-Prince ? Une stratégie d'usure serait-elle mise en place ? S'agirait-il de décourager et d'amener insensiblement à accepter le règne de l'impunité et à prendre l'innommable pour un fait accompli ? Face à l'ampleur du geste sacrilège posé le 28 août 2020, nous n'accepterons pas un simulacre de justice. Le Conseil de l'Ordre, au nom de tous les avocats du barreau de Port-au-Prince et des juridictions à l'échelle nationale, dit non à la complaisance des autorités publiques, non à toute connivence des acteurs judiciaires. Que l'on n'attende pas des avocats ce qu'ils ne savent pas faire, capituler. Juste est notre revendication, farouche notre détermination. Nous ne faiblirons pas en dépit des vents contraires. Nous continuerons d'exiger la mise en place d'une commission d'enquête internationale en soutien aux efforts nationaux pour favoriser l'éclosion de la vérité autour de cette affaire. Notre quête de justice se poursuivra au-delà des régimes et des frontières tant que les assassins ne seront pas aux mains de la justice. Il y a la Fédération des barreaux d'Haïti qui a écrit au président de la République la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez copié la lettre. Il y a le bâtonnier de Paris qui est intervenu ce matin qui a été sur le palais magique. Donc je ne sais pas si vous avez une interview. Si vous n'avez pas, vous pouvez toujours vous adresser au barreau, vous allez avoir des choses. Merci beaucoup, madame la maire. Monsieur, si vous venez, n'a pas le temps pour poser des questions. Allez. Ok, n'a pas le temps pour poser des questions. Bon, pas oublier que l'on dit Dorval, si nos professeurs, nos professeurs d'université, mais comme professeur d'université, Montferrier Dorval est surpassé. Il baille tête en tant que professeur, une dimension, côté que le palais pour mon marché en bas, il parle pour mon rabotoa, il parle pour mon la fossette. Mais il parle pour mon opétion en ville, il parle pour étudiants, il parle pour toutes les couches de la société. Le discours de Dorval, c'est qui ça? Son discours libératoire, son discours de développement durable, son discours de l'état de droit, son discours côté que politique pour être faite pour faire mon toucher au mieux-être. Ouais? Et maintenant, comme ça, Dorval appartient, comme l'était dit lui-même, il appartient au pays. Il a appartenu à l'université et comme dernier poste qu'elle était occupé, c'était bâtonnier nous, c'est papa nous, c'est nous la capitale. Eh bien, en première loge,
c'est avocat qui a pour revendiquer justice pour nos pays d'Orval. Mais, vous comprenez que les avocats parlent, c'est toute couche société à parler. Dans ce sens-là, nous, dans la rue, nous venons faire sit-in ça pour, un, nous demander pour que une commission d'enquête internationale indépendante qui vienne aider nous dans l'investigation qui dit donc enquêter sur les événements du 28 août, côté que le bâtonnier a été exécuté. Mais nous venons tout pour nous dire que avocat c'est acteur système dans le non pas. Comment on appelle ça, auxiliaire de la vie. Nous sommes des acteurs. Dans ce sens, et non pas n'importe quel acteur, nous sommes acteurs de premier ordre. Profession, c'est dans mes noms. La profession de défendre, profession d'assistance, et en quelque sorte, tout, avec la magistrature assise et la magistrature debout, nous partageons milieu intermédiaire. C'est que nous tous, nous utilisons les textes de loi, les textes de procédure. Dans ce sens, ça. Le dossier de Montpellier-Dorval doit avancer. Il doit avancer parce que le pays a un droit à une explication. Il doit avancer parce que nous-mêmes, comme avocats, nous avons un droit à une explication. Et pour consoler la mémoire des uns et des autres, ou bien, il faut qu'il y ait un procès sur l'assassinat du bâtonnier. Et c'est à cette fin que tout mouvement n'a fait, toute parole n'a dit dans ce sens, c'est vers l'objectif ça que le temps. Merci. Je vous en prie. On est nous-mêmes au niveau de Bawo, de Port-au-Prince, nous opté pour une commission enquête internationale. T'as mis tes mains, t'as mis tes bouches dans cause de ça, mais nous, jusqu'à présent, qui pour que j'en perde, nous, pour voir en place dans le projet manifester désir pour t'as capable bien enquête ça, pour entrer, venir faire lumière sur le dossier assassinat de Dorval, ou même comme nous, qui est dans la justice dans longtemps, qui sont avancés dans ça. Nous, dans des bâtonniers, Paris, en ce matin, c'est que. Des fois, l'on pense aux bagailles à marcher, c'est lentement, internationalement, sur l'autre question. Mais Dorval, c'est au symbole. Le terrain de lutte en Afrique du Sud contre l'apartheid, de la commission spéciale contre l'apartheid, nous t'es personnalisé, lieutenant. Nous t'es personnalisé sous Nelson Mandela. Et le nous personnaliser tout retard que lieutenant l'été gagné, lieutenant vient gagner un booster. Pour tout le monde qui mourit, la saline, belle au quartier, que tenu avec en pile, parce que c'est au quartier qui gagne en pile souvenirs et d'enfance là-dedans. Belle, Matissa, tout côté sérieux. M. Dorval représentait soif de justice. Et si M. Dorval joint justice, tout le monde sait joint justice. Et c'est pour qu'elle ça une bataille pour M. Dorval joint justice. M. Dorval, pour le développement de la situation, dans le dossier, il y a des pièces à conviction qui disparaissent. Pourquoi pensez-vous être capable d'incidence sur le reste des procédures? Mais pourquoi le. Et c'est un bail principal qui a discuté. Et puis, il y a un peu de monde qui a la tête, l'accessoire qui a passé, c'est derrière, c'est qui a fait un coup. Ça n'a pas aucune influence sur des faits connus. Parce que, ton bail, c'est qui relève la clameur publique. Et que la clameur, c'est public édifié déjà. Donc, le monde entier édifié déjà et c'est convergence, ça n'a pas fait en Haïti, et convergence, action, bateau naïo, les gouvernements étrangers qui pour mener joindre justice, non seulement pour M. Dorval, mais qui pour mener joindre justice pour tout Haïtien. Que y a massacré, y a tué ça. Qui jamais ça n'a beaucoup de dire non et non mais de balayer. Est-ce que c'est la même? Qui des démarches n'a pas entreprendre? Côté avocat, journaliste, professeur, ouvrier, depuis ne pas radical, depuis ne pas sérieux, dans démarche ça y est, nous pas joindre satisfaction. Ça me le dit pas là. Me le dit pas là que Zafe sit-in
Zafe manifestation, Zafe courir par-ci par-là, pas bonne satisfaction dans ensemble de problèmes qui gagnent dans le pays à jour aujourd'hui là. Si nous voulons parler précisément de l'assassinat de Maître Monferrier Dorval, on peut avoir même que tous les indices, tous les signes, tous les exemples montrent clairement qu'il s'agit d'un crime d'État. Tout exemple a montré que c'est un crime, son assassinat qui planifié dans le palais national. On va le bon premier exemple. La conférence internationale des barreaux, CIB, a déjà adressé pas mal de lettres à Jovenel Moïse pour lui demander pour le mettre kanpe une commission d'enquête indépendante internationale. Jovenel dit jamais, pas de bagaille ça même. Deux, n'oubliez pas que la justice est vassalisée par l'exécutif. Elle a dit que c'est par les nationales, c'est Jovenel Moïse qui contrôlait l'appareil judiciaire là. Commissaire gouvernement, yo, douan, c'est Jovenel Moïse qui nomme. Yo. Bon, regardez dernièrement là. Junior dit comme ça que malgré mon clé là même, yo rentre en grève 2, cabinet d'instruction tribunal première instance, yo prend yon rafale corps du délit en bas. Et non seulement c'est pas première ça, c'est pas première fois ça a fait, mais aussi mon paquet l'autre clé encore qui dans mon paquet l'autre acteur judiciaire que Jovenel Moïse nommé. Ça veut dire. Ça veut dire clairement que son démarche entreprendre pour empêcher que la lumière soit faite dans l'assassinat de Maître Monferrier et Dorval. Bon, attendez. Et moi-même pense que si c'est comme ça n'a continué de bouger, c'est qu'on vient à faire. L'homme d'où c'est qu'on vient à faire, c'est laver bien, suer à terre. Tout le monde connaît pertinemment que problème massacre, assassinat, et massacre la saline, dilapidation fond péto caribé, dermalogue, sauvidaï, tout problème ça va résoudre seulement par le chambardement de Jovenel Moïse. Bon, attendez. Problème tellement grave, regardez tout récemment là. Regardez le secrétaire général des Nations Unies, ouais, Antonio Guterres, avec Hélène, Madame Hélène Lalim. Regardez ça, il dit. Et vous pouvez constater, après ça, au fin de vous pouvez assister à une augmentation de kidnapping, assassinat dans le pays. Qui ça, il dit? Il dit que la Fédération des gangs a rendu pas mal de services à la société haïtienne. Regardez bien, oui. Et que faut que gang dans le pays. Et a remarqué depuis l'heure fin dit ça. Ouais, non seulement kidnapping dans fin d'augmenter, ouais, je ne veux dire là, mon a kidnappé mon dans le pays pour 50 000 gouttes, pour 100 000 gouttes, pour 150 000 gouttes. Donc tout le monde comprend le problème, non. Je pense qu'il faut que nous vienne plus sérieux dans la bataille là. Je m'a demandé mon frère, frère avocat Mio. Ouais, pour, ben, parce que pas oublié, nous-mêmes, nous avons toujours été très cohérents. Ouais, nous t'es toujours demandé pour que Jovenel Moïse quitte le palais national pour nous mettre le pays sous trajectoire du progrès. Et Jean-M. Doula là, tant que Jovenel Moïse ne quittera pas le palais national, a toujours des crimes, a toujours des assassinats, moun la saline, Tokyo Belé, pape Jean-Jean Justice, a toujours des désordres dans le pays. Donc nous demandons côté avocat, journaliste, professeur, ouvrier, chauffeur taxi, tout le monde, pour nous mettre tête ensemble, parce que pas oublier, justice pour yon moun, c'est justice pour tout le monde. Et que je ne j'en dis à la, nous pas qu'à facilement jouer une justice pour mettre mon Monferrier Dorval, c'est parce qu'avant hier, les ont été assassinés moun la saline, nous te gardé le silence. Avant hier, les ont été assassinés moun Tokyo, yo, le Belek et la Trié, nous pas trop impliqués dans la bataille là. Et que c'est ça qu'il faut, je ne j'en dis à la, dans quatre batailles, ça nous implique pour que la lumière soit faite en faveur de familles, amis, alliés, docteur Monferrier Dorval, ouais, n'a patiné. Mais si chaque fois, en catégorie de monde, il y a des victimes, il y a des assassinés, nous sommes campés comme un seul homme, nous garantis. Monferrier Dorval, je dis à la table de justice facilement. Grégory Saint-Hilaire, étudiant école normale, la table de justice facilement. Et que nous tous, nous avons des possibilités pour nous vivre l'ambiance de paix, de sérénité. Donc, on met tête ensemble pour nous défendre le pays, pour nous combattre l'insécurité, pour nous combattre la violence, pour nous combattre l'injustice.
sans ancêtre mouyo, t'es sous là. T'es souhaité là. Ce qui est important, c'est que dans le cadre de ce sit-in qui est organisé par le barreau de Port-au-Prince, qu'a manqué chez les avocats une certaine insatisfaction. Parce que sit-in en fait là, c'est parce que Bawo, avec toute corporation avocat, voulait mettre les voyants ensemble pour demander justice pour mettre mon frère Dorval. Mais moi-même, je ne suis pas satisfait comme avocat. Parce que il faut dire que M. Dorval n'a pas été n'importe qui. M. Dorval a été un professeur émérite. Et nous-mêmes, comme avocats, la question qu'on se pose, pour qui ça, Jovenel Moïse, refusait accès à la commission d'enquête internationale? Est-ce que Gombagay qui a caché? Est-ce que bon vérité que vous avez découvert? Maintenant, si on parle de justice pour M. Dorval, il y a un travail en profondeur qui vous fait en dans justice. Parce que il y a des gens, tout autant qui sont dans justice, là, M. Dorval n'a pas de justice. Il y a des gens, tout autant qui n'ont pas de responsabilité, qui ont épuré le système, mais Dorval n'a pas de justice. Et nous-mêmes, au niveau du cadeau, nous-mêmes, avocats, nous avons pas de prince. Le professeur Dorval mourit, ça veut dire un paquet de bagailles. Le professeur Dorval assassiné, ça veut dire un paquet de bagailles. Ça veut dire que la population haïtienne n'a pas besoin de justice. Donc, ouais, Dorval, qui Dorval comme gros professeur de droit public, jusqu'à présent, il a fait dilatoire avec le dossier. Allez voir pour un petit malheur qui mourit. Allez voir pour un petit malheureux qui est assassiné. Allez voir pour un petit malheureux qui est kidnappé. Alors, moi, j'espère que, à travers le message que nous avons comme avocat, et ma première, c'est tout journaliste, que ça là, que ça pas là, nous permettre cadeau font un travail exceptionnel. Nous permettre cadeau exposer l'état macabre dans lequel se trouve notre appareil judiciaire. Moi, m'a dit encore, il est important que cette justice soit modernisée. Il est important que cette justice soit épurée. Pardon. Il est important que cette justice soit beaucoup plus efficace. Et nous dit, Jovenel Moïse a pour devoir de faire en sorte de mettre tous les mécanismes en place pour que Dorval joigne justice. Et nous avons continué à dire, et pas oublier que chaque 28 dans le mois, il y a les journées bâtonnières, mon frère Dorval. Il faut songer ça. Chaque 28, dans quel que soit moi qui viens là, jusqu'à ce que Dorval joigne justice, cette journée est baptisée la journée de Maître Montferré Dorval. Et n'a utilisé tout moyen, généralement quelconque, pour faire pression sur l'autorité, pour faire pression sur le juge d'instruction, pour que yo dit nous effectivement quels sont les auteurs intellectuels qui ont été à la base de la perpétration de ce crime. N'a fini pour nous dire que nous-mêmes, comme avocats cadeaux, nous campons beaucoup de peuple haïtien. Et nous avons toujours accompagné une enquête de justice. Et nous avons toujours continué à demander renforcement de justice, modernisation de justice et sécurisation de greffe pour éviter que le scandale vole les cabrites, le scandale vole les motos, le scandale vole les corps du délit, ça ne pas répéter encore. Monsieur nous dit qu'il a été exécuté par le pouvoir en place. Nous prenons avancer les raisons qui fait nous dire ça. Dans un premier temps, eh bien, nous croyons qu'une commission indépendante et internationale a été sollicitée par eh bien, 47 barreaux dans 47 pays différents. Eh bien, la commission ça à côté n'a pas parlé là, il y a un obstacle eh bien, pour qu'elle prenne place en Haïti. Nous croyons que ça, c'est un argument fondamental. Les mêmes pouvoirs ça, qui ont décrété 3 journées de deuil. En faveur de M. Dorval, elle était fraîchement exécutée et que même pouvoir ça lui opposait catégoriquement à la mise en place d'une commission indépendante et internationale. Nous croyons que ça, c'est un argument fondamental pour dire que pouvoir lui gagne pour avec l'exécution de M. Dorval. Et nous, là, tout pour nous dire que et Grégory Saint-Hilaire, qui a été assassiné eh bien, à l'intérieur de l'école normale supérieure, eh bien, non seulement comme étudiant à l'école normale supérieure, mais aussi étudiant à la faculté de droit et des sciences économiques, nous continuons à demander justice pour Grégory Saint-Hilaire, au même titre que toutes les personnes assassinées dans les quartiers populaires, tout le monde qui n'a pas de nom,
la raison pour laquelle nous qui sommes les avocats, nous avons une obligation, eh bien, pour que M. Dorval puisse trouver justice définitivement, parce que si lui, comme bâtonnier, il ne peut pas trouver justice, qu'en est-il pour les autres? Nous avons une obligation, ça, son obligation tant juridique que morale, eh bien, nous la joukmaïmi pour M. Dorval joindre justice. Sauf que nous pas satisfaits à l'agent sitting dans le passé. Nous pressons un sitting qui est un petit peu trop silencieuse. Mais de toute façon, bon premier pas qui fait, première édition journée li fait, et que nous même si ce n'est pas totalement, mais nous prenons que 28 mois novembre qui a fini là, et bien a gagné plus de démonstration par rapport à la quête de la justice recherchée pour mettre Dorval. Merci. Bref, tous les éléments pour capable analyser 1, 2, 3, 4, tout élément ça a montré que l'assassinat du bâtonnier Dorval, c'est un assassinat politique, c'est un crime d'État. Et moi-même, je crois que oui, il faut qu'avocat soit mobilisé pour demander justice pour M. Dorval. La communauté internationale des avocats est mobilisée, tout avocat à travers le monde mobilisé. Avocat Bawo Port-au-Prince mobilisé. Tout avocat en Haïti mobilisé. Mais il y a une vérité. Si c'est un crime d'État, si c'est un crime politique, eh bien, si c'est même mon qui tue Dorval, qui était au pouvoir, pape Jean gagne justice pour mettre Dorval. Même Jean, pour procès Petro-Caribé, pape Jean fait, si c'est même mon qui voulait quoi Petro-Caribé, qui continue à prêter sous pouvoir. Alors, les avocats doivent comprendre que ils doivent participer dans la bataille globale pour nous créer conditions pour toute victime soit capable de faire justice, quitte ces bâtonniers d'Orval, quitte ces familles Grégory Saint-Hilaire, quitte ces monde qui victime dans massacre La Saline, massacre Belé, massacre Cité Soleil, depuis régime PHTK sous pouvoir, ils ne peuvent pas joindre justice. Bataille pour victimes de joindre justice, les maconnais avec bataille pour forcer Jovenel Moïse qui débat. Après disparition de Pierre Sonou et que parquet explique le CPJ pour que lui ouvre l'enquête. Donc c'est de bonnes signes selon vous. Non, pas c'est bien pire. Manœuvre. Mais ça qui est bien important, c'est que le parquet de Port-au-Prince à plusieurs reprises a failli à sa mission. Premièrement, parquet Port-au-Prince pas bien sécurisé pour cette crime-là, qui permet de rentrer. Ils prennent ça, ils ont besoin, ils ont vandalisé Kaela, ils prennent, ils partent avec des éléments indiciels, ils partent avec bâton. Deuxièmement, le parquet Port-au-Prince, et il n'y a pas de gens montrer vraiment qu'ils veulent collaborer. Bon, si le parquet a voulu montrer qu'ils veulent collaborer, que le parquet a écrit juge d'instruction pour demander la commission d'enquête internationale indépendante, pour ça, le parquet n'a pas fait. Que le parquet s'adresse au juge d'instruction pour dire écoutez, nous-mêmes dans le parquet, nous voulons une commission d'enquête internationale indépendante. Il est clair que, en tant que chef de la poursuite, alors il est clair que, quand pile manœuvre pour essayer de boire un dossier, il n'y a pas de vérité sortir. Même dans le rapport de CPJ a permis, nous, qui monde qui fait ça là, les exécutants, le rapport de CPJ a pas permis, nous, les auteurs intellectuels. Or, le plus important pour nous, c'est de remonter la filière des auteurs intellectuels. Moun ki bay l'autre là, pourquoi on a assassiné Dorval? Qui ça le dit pour yon assassiner? Moi même d'abien aimé comme ça. Dorval son dialecticien, il pas jamais dans violence, et son ex ses paroles doit seulement le parler. Il t'a aimé connaître moi même. Qui ça pour Dorval dit? Qui ça pour Dorval fait? Pour moun bay l'autre pour exécuter. Et c'est cette vérité qui doit blâir dans le cadre de cette affaire et qui menace de représenter et pour qui moun te représente en menace. Alors le plus important, les avocats sont mobilisés, avocats haïtiens, avocats étrangers, et nous pouvons faire une justice pour M. Dorval. Parce que si pas de justice pour M. Dorval, pas de justice pour personne dans le monde qui est victime, comme l'a dit Monseigneur Dumas, le 18 septembre dans son domaine de justice. Maintenant, démission. Il y a une commission indépendante internationale. Par contre, entre un coup, doit ici, hein, parce que pas non, de aucune de entrave. Ça fait déjà, le défaite dans le dossier au CAI, on fait déjà. Pas de problème. Pas de problème. D'ailleurs, dans le cadre de la coopération judiciaire et policière internationale, il ne va pas poser aucun problème. Pas de problème à ce niveau. Donc, obligé, c'est le président pour l'autorisation. Ah non, bien sûr, quand même. Responsabilité. Ils ont fait écrire, demandé pour faire chef de l'État, même si son chef de l'État tête en bas, mais il est quand même le chef de l'État, c'est sa responsabilité. Et le fait que le pape ait fait commission d'enquête internationale, là, ça montrait, nous, quelque part, on bagaille pour voir. Mais Michel, président, maintenant, vous.